Nang's Reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Ce que l'on a découvert dans cette vidéo est interdit au moins de 18 ans. Si vous n'avez pas 18 ans, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Parce que ce que l'on voit ici, normalement, c'est pour les adultes. Mais comme vous le savez toujours, les gens s'en foutent de ça. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est la thune. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un nouveau clip. Un nouveau clip de 6ix9ine qui vient de sortir. Et ce clip dit tout sur comment le diable veut détruire le monde. Ouais, sur comment le diable veut détruire la jeunesse. Allons voir ça. Quand on parle de ça, les gens pensent que c'est de la blague. Quand on parle de ça, les gens pensent que nous sommes en train de rigoler avec eux. Regardez à l'écran. Ouais. Ça, ça en dit long sur le sujet. Un truc de ouf se passe ici. On voit une jeune femme qui est juste en train de boire de l'alcool comme c'est pas possible. Ça a tellement dépassé le niveau qu'elle a décidé de vomir. Et de l'autre côté, on voit une personne tatouée de la tête jusqu'aux orteils. Ouais. Et cette personne nage dans de l'argent. Ouais, le pied de banque. Et c'est même ça l'image de la musique mondaine. Ouais, la musique profane. Et c'est ça. Le clip est sorti. Ça n'a même pas fait 2 jours déjà. On a 25 millions de vues. Ouais. Ça veut dire que c'est une chose qui intéresse tout le monde, qui intéresse beaucoup de personnes. Pour pouvoir bien comprendre cette histoire, je vais juste vous montrer quelques extraits du clip. Soyez prêts. Bien, regardez à l'écran et c'est parti. Voici à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, regardez bien. Les gens qui s'embrassent, tout ça, tous ces détails, qu'est-ce que ça signifie, à quoi ça sert, je vais vous expliquer. Voilà. Et très bien. Pour pouvoir bien comprendre ce que je vais vous dire, il faut absolument que vous regardiez très bien ces images. Ok. Là, on est bien. Là, on peut y aller. Ok, vous avez vu? Très bien. Déjà, vous devez comprendre que la musique profane est basée sur 3 choses en général, ok? Sur 3 éléments. Le premier élément, c'est l'argent. Ouais, ils font ça pour la thune et ils veulent nous montrer ce qu'ils ont. Le deuxième argent, c'est le sexe. Ouais, quand on a de l'argent, il faut qu'on ait tout ce qu'on veut. Donc, ça tourne autour du sexe aussi. Et le troisième élément, c'est la drogue. Ouais, les stupéfiants et tout ça. Parce que eux, c'est ça leur monde. On a de l'argent. On peut avoir n'importe quelle fille. Et puis, voilà. Et c'est même ça. Donc, sexe, drogue, argent. Sexe, drogue, argent. Ça tourne autour de ces 3 éléments. Et je pense que vous avez regardé l'extrait. Et vous avez pu voir certaines choses. Mais comme ça défilait rapidement, peut-être sur le fait de la musique, il y a certaines choses qui sont passées dans votre subconscient, ce que vous en rendez compte. Et les éléments qui sont passés dans votre subconscient, ce sont même ces éléments-là même qui vont détruire votre vie plus tard. Et surtout, pousser certaines personnes qui sont faibles d'esprit à commettre de très grands péchés et même à toucher des substances interdites. Ça passe juste comme ça, juste dans une musique. On peut pousser quelqu'un à devenir un terroriste. Et c'est pas de la blague. Mais ça, c'est pas sans conséquence. Mais nous allons voir ça tout de suite. Regardez ça. Regardez à l'écran. Voici la première image. Ouais. Que voyez-vous? On voit ici une jeune belle fille qui est juste en train de fumer. Ouais, elle est en train de fumer de la cigarette ou de la drogue. On sait pas, mais c'est ça. Voici ce que ce monde de la musique, là, ces stars de la musique montrent aux jeunes gens. Ouais, genre pour vous dire, vivez la belle vie, faites ce que vous avez envie de faire, ouais, profitez de la vie. Et pour bien profiter de la vie, c'est même ça, quoi. C'est même ça. Il faut fumer de la drogue.
ou bien fumer de la cigarette, ou bien de la chicha, ou tout ça. Voici l'image que nous donnent tous ces stars que le diable utilise pour pervertir et corrompre les âmes. Ouais, voici la réalité. Sex, drogue, argent. Est-ce que vous avez déjà identifié un premier élément? Ici, on peut dire que ça parle un peu de la drogue. Et tous les clips qui vont sortir, vous allez identifier ces trois grands éléments-là à l'intérieur. Regardez encore ça. Ici, c'est quoi? Il s'agit de l'argent. Là, c'est l'esprit de l'argent, mammon. Ouais. Quand les jeunes gens voient toutes ces choses, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Ils se disent que, waouh, ils aimeraient aussi faire la même chose. Et même tout mettre en œuvre pour devenir comme ces gens-là. Ouais, les gens aussi aimeraient baigner dans de l'argent. A priori, on se dit, oh ouais, c'est bien si les gens veulent réussir, c'est bien. Mais le problème, c'est comment faire pour réussir. C'est là le problème. C'est en ce moment-là que les gens disent qu'ils sont prêts à tout pour devenir comme ça, pour avoir de l'argent, pour devenir riche, même s'il faut vendre leurs âmes au diable. Regardez, c'est là que tout ça commence. Le diable utilise juste ses stars pour pouvoir pousser la jeunesse dans de mauvaises choses. Et voici ce que ça donne. Regardez, elle est tentée de boire de l'alcool comme c'est pas possible. Entre elle, des camarades, elles sont là en train de faire du grand n'importe quoi. Ouais, l'alcool même a même dépassé le niveau, non? Qu'elle a été de vomir maintenant là. Regardez ce qui se passe. Souvent, on parle de overdose. Les gens fument n'importe quoi, n'importe comment. À un moment donné, ils pètent le plomb, ils meurent d'overdose. Et là, c'est l'alcool maintenant. Regardez. Regardez ce que le diable enseigne à la jeunesse. Ouais, le diable utilise les stars pour passer son message. Et son message, c'est ça. Son message, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Et ça aussi. Genre, buvez n'importe comment, buvez tout et n'importe quoi. Ouais, pour détruire votre corps, pour détruire votre esprit et votre âme. Et à la fin, vous allez aller boire les acides en enfer. Oui, et ça continue. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une femme qui est carrément habillée de nuit, elle est carrément presque nue. Elle habille en quoi? En soutien, et puis en slip, ou bien, comment vous appelez ça, périnée, ou bien, c'est le maillot de bain, je ne comprends pas. Mais regardez, ça expose le corps de la femme, ça expose tout, ouais, leur corps. Le diable veut que les filles d'aujourd'hui n'aient pas du mal à se déshabiller, ouais. Se mettre nu, ça sera plus un problème pour les gens dans le futur. Il faut que les gens se mettent nus, se déshabillent, montrent tout leur corps. Ouais, il faut que les filles montrent tout leur corps et utilisent même leur corps pour se faire de l'argent, pour se faire de la thune. Et là, on voit un homme tatoué de la tête jusqu'aux orteils. Ouais, avec une boisson très chère. Et chez eux là-bas, c'est ça le luxe. Il faut avoir les boissons très chères. Et c'est la jeunesse qui en pâtit. Enfin, les jeunes qui sont là. Regardez là. Ouais, avec des signes bizarres. Des signes vraiment très bizarres qui montrent leur appartenance à un groupe. Souvent, il y a l'occultisme dedans. C'est pas de la blague, mais nous allons venir. Regardez ça. Comme vous pouvez le voir, l'écran, on voit deux filles qui sont en train de s'embrasser. Voici le message encore, un autre message nouveau que le diable communique au monde entier, surtout à la jeunesse. Genre pour dire, si vous êtes un homme, couchez avec un autre homme. Si vous êtes une femme, c'est permis. Couchez avec une autre femme. Ouais, comme vous. Parce que c'est ça la nouvelle vie, c'est ça la nouvelle mode. Ouais, si vous faites ça, vous serez à la mode. Voici le message que le diable transmet au travers de ces stars de la musique profane. Regardez, est-ce que vous avez vu ça? Je pense que vous avez remarqué cela dans l'extrait du clip que je vous ai montré à l'introduction. Et ça montre quoi? Ça montre le terrorisme, genre. Le terrorisme, les gens veulent que le diable veut que le terrorisme s'agrandisse, s'intensifie dans ce monde. Ouais, il faut qu'il y ait plus de terroristes pour vraiment pouvoir tuer les gens, détruire les gens. C'est ça. Et regardez, là, on voit une personne qui est carrément à l'ouest, quoi, comme si elle a bu, comment, n'importe comment, elle ne sait même plus où elle est. Ça, c'est l'extase. Ouais, l'extase. Les gens se disent, oh, fumons tout et n'importe quoi parce que ça nous envoie au septième ciel. C'est-à-dire, les gens veulent être excités, ils veulent vivre la vie à 100 à l'heure, ouais, sans s'arrêter. Et regardez,
Ils vont même jusqu'à même se faire plaisir en s'achetant les bijoux, les objets très chers. Et quand la jeunesse voit ça, la jeunesse te dit, waouh, c'est extraordinaire, tout ça c'est du diamant, tout ça c'est de l'or, et il a ça sur lui. C'est que moi aussi j'aimerais avoir ça. Sans oublier que Dieu a son mot à dire dans chacune de vos décisions. Ouais, et c'est ce qui attire la jeunesse. Regardez maintenant. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous rappelle? Est-ce que vous pensez que le signe qu'elle a fait sur son visage, c'est là pour rien? Je vous ai montré au départ ça, les signes. Regardez, les signes d'appartenance. Et il y a les signes d'appartenance au diable. Les gens ont fait les décryptages, ils ont découvert que ce signe est censé représenter 666. C'est censé représenter le diable. Et ces signes, on n'en voit pas tout. Surtout sur les célébrités. Un œil fermé. C'était censé représenter le All Seeing Eye, l'œil qui voit tout. Ouais, genre le diable dit qu'il vous contrôle, il vous voit et il sait exactement tout ce que vous faites. Le monde est sous sa domination, sous sa maîtrise. Et vous allez voir des tels signes everywhere, c'est-à-dire partout quoi. Ce n'est plus caché, c'est vraiment plus caché quoi. Le diable n'a plus besoin de se cacher et les gens montrent leur signe d'appartenance. Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs bagues, plusieurs bagues, plusieurs bagues. À quoi c'est censé servir? Mes frères et sœurs, si vous continuez à porter des bagues, faites grave attention. Même pour se marier, les alliances là. Vraiment, là aussi, il y a un problème. Dieu n'a jamais demandé aux gens de porter des alliances. Quand vous mettez de telles choses sur vous, ça montre votre appartenance au démon qui possède l'objet. Ouais. Et ces stars sont nombreuses. Voilà. La liste est longue, hein. Et on voit un peu partout quand je vous parle de ces bagues, ne pensez pas que c'est de la blague. Ces bagues sont un peu partout. On voit les bagues avec des têtes de mort. Ouais, avec des têtes de mort. Et le problème, c'est que quand ces bagues-là sont portées par un individu et que cet individu pointe son doigt vers quelqu'un, une malédiction est lancée à cette personne. Mais tout se passe en esprit. Tout se passe vraiment en esprit. Quand ces gens-là vont s'attacher à de telles bagues, on leur dit que oh, c'est juste pour vous protéger. Mais souvent, on leur dit aussi que c'est juste pour pouvoir hypnotiser les gens, lancer la malédiction sur les gens et avoir des fans sous votre contrôle. Ouais, c'est tout simplement de la magie. It's magic. Yeah. Mais Dieu a son mot à dire. Qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant? Quand on prend la parole de Dieu dans Ecclésias 11, verset 9, on voit clairement que Dieu nous a tout dit. Lisez ce qui se trouve à l'écran. Dieu nous a clairement dit, il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, lève ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ouais. Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Vanité de vanité, toute de vanité. Toutes ces choses vont disparaître. Tous ces gens-là vont disparaître avec tout ce qu'ils nous montrent chaque jour. Mais, leurs œuvres seront là et ces gens-là auront à répondre de leurs œuvres devant Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pas de la blague. Que serez-vous prêt à faire pour de l'argent? Juste pour de l'argent, les richesses de ce monde, les choses éphémères. Même le diable se trouve sur les réseaux sociaux. Même le diable se trouve sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte. Il a même un compte Instagram. Là où vous êtes, il est là. Il a son compte aussi, il vous observe. Il se prend en photo. Jesus Christ. Et regardez. Récemment, on a appris que Rihanna s'est exposée. Ouais, elle a exposé des objets et un dieu indien sur elle. Ouais, alors que c'est une photo qui est censée être sexy, quoi. J'en ai une idée. Et les gens ont commencé à se plaindre. Surtout les gens qui sont nés. Ils ont commencé à dire, ah, comment est-ce que tu peux le faire? Comment est-ce que tu peux exposer ton corps comme ça? Et puis, avec le dieu que nous adorons ici sur toi. Et les gens commencent à raconter tout et n'importe quoi. Et elle est très connue pour ce genre de choses.
C'était tout le temps dit que elle salit l'islam, elle salit tel Dieu et tout ça. Et les gens disent que non, elle ne savait pas. C'est juste comme ça arrivait. Non, 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 non. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, rien n'est caché, les choses sont faites exprès. Ouais, je sais que l'être humain est faible, il peut se tromper, mais à ce niveau de la compétition, les gens font les choses consciemment, ils savent ce qu'ils font. Si quelqu'un fait une musique et il prononce une incantation là-dedans, il ne s'est pas trompé, il sait qu'il veut envoûter les gens. Et la meilleure façon d'envoûter les gens, c'est de le faire ça, c'est de faire ça. Et il y a les clashs. Les gens poussent les gens à parler, à bavarder, à critiquer. Est-ce que c'est que ça aussi, c'est un plan, c'est le plan du diable? Ce que vous appelez le Congo, ça, le commérage, c'est un grave péché aussi. Ouais, c'est péché. Juger les gens, critiquer les gens, insulter les gens n'importe comment sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est le diable qui est derrière cela. C'est là où il est tenté d'amener le monde, là où il est tenté d'amener la jeunesse, créer des soi-disant influenceurs qui ne font que parler du sexe et du sexe sur les réseaux sociaux. C'est pas pour rien. Regardez. Tous ces éléments sont ici. C'est pas de la blague. Les clashs. Voilà. C'est exactement ça le nouveau monde. C'est ça le nouveau monde. Les gens qui font les bêtises. Voici à quoi nous sommes soumis aujourd'hui. Et ça m'attriste quand je vois cette image. Voici le nouveau monde. Le monde part en couille. Voilà. Waouh. Que pouvez-vous dire de cela? Il y a des millions de personnes qui sont regardées cette histoire à ce moment. Ça veut dire, et il y a plus de 1 million de likes. Ça veut dire que les gens ont approuvé la chose. Ouais, c'est ce que les likes veulent dire. Approuver. Approuver une chose. Accepter. Aimer. Voilà, aimer. Or, Dieu nous a clairement dit que nous ne devons pas nous affectionner aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt les condamner. Moi, je vois ça, je me suis dit, ah, il y a des gens qui ne sont pas au courant que c'est mauvais de faire toutes ces choses. C'est mauvais de s'adonner à la drogue. C'est mauvais de s'adonner à la violence, au crime. C'est mauvais de s'adonner à l'alcool. Ouais, c'est mauvais de s'habiller de façon sexy. Les gens ne le savent pas. C'est pourquoi moi, je fais cette vidéo en me disant que, ouais, vous ne le savez pas. C'est pourquoi vous êtes en train de rigoler avec ça. Mais le diable, il sait tout. Et ces agents qui sont même ces stars de la musique que vous voyez sont conscients. Ces gens-là savent clairement ce qu'ils sont en train de faire. Quand ces gens-là s'en foutent la population ou les fans par la musique, c'est très dangereux. Une manière très simple et visible d'envoûter les gens, surtout les fans, c'est de mettre dans les clips beaucoup de filles prostituées, beaucoup de filles qui montrent les postérieurs, les seins, tout ça. Ouais, ça c'est une nouvelle méthode pour envoûter les gens. Quand c'est comme ça, les gens vont regarder cela en masse parce qu'ils vont se dire, oh, voici une chose qui est permis à nous de nous regarder. C'est vrai, si les parents ne permettent pas aux enfants, à leurs enfants d'aller sur les sites pornographiques pour regarder ça, au moins ici, ils ne diront rien parce qu'ils vont se dire, oh, c'est juste 6ix9ine, c'est juste un clip. Donc, c'est prenable comme ça, c'est prenable, on peut l'accepter. Ce que vous refusez d'accepter là, dans le noir, c'est ce que vous allez accepter au grand jour. Ce que vous refusez d'accepter dans le noir, c'est-à-dire si les sites pornographiques, ce que vous refusez à vos enfants de regarder ces sites pornographiques-là, est-ce que vous allez leur permettre de regarder en plein jour, c'est-à-dire au travers des clips, des stars de la musique, ouais, des célébrités, et le diable va corrompre la jeunesse. Vous n'imaginez pas quel dégât ça fait sur l'esprit d'un enfant lorsqu'il tombe sur des choses. Et les plus influencés par ce genre de choses, c'est la jeunesse. Ouais, ce sont nos enfants. Et le diable veut former son armée par là. Nous ne devons pas soutenir de telles choses. Plus nous soutenons de telles choses, plus ces choses vont venir encore à nous. Et ça va se multiplier. Les gens vont continuer dans ça. Il y a vraiment un grand danger dans ce monde. Le monde fait peur, il y a trop de vilaines choses. Il faut que quelqu'un prévienne le monde du grand danger. C'est pourquoi, on se bonne. Aimé, tu n'es pas abonné, tu t'abonnes, tu as la cloche. Si tu as compris quelque chose, que tu es d'accord, tu peux laisser un j'aime. Ça veut dire que tu certifies, tu es d'accord, tu sais que tu dis que c'est la vérité et que là, c'est grave.
Et c'est là que d'autres personnes se disent, mais ah, ne pouvez-vous pas faire des clips sans les fesses et les seins? Ne pouvez-vous pas faire des clips sans qu'il y ait de l'alcool et puis la cigarette, la drogue là-dedans? Pourquoi vous ne pouvez pas faire cela? Mon ami, ces gens ne peuvent pas le faire parce qu'eux-mêmes les disent que c'est le game. Et que dans leur game, il faut qu'ils exposent le corps de la femme. Ils présentent la femme comme de la chair, de la viande. Voyons, de la viande. Ouais. Et puis il faut qu'il y ait des voitures de luxe, de l'argent, beaucoup d'argent, des billets de banque. Tout ça, c'est pour séduire. Ce sont les objets de séduction du diable. C'est le diable qui impose ça. Et si tu ne le fais pas, ton crime ne va pas marcher aussi. Parce que dans le monde de la musique profane, dans le monde, ces gens-là sont censés recevoir cela. C'est la nourriture spirituelle qu'elle a. C'est la nourriture spirituelle. Plus il y a du sale dans le clip, plus ça risque de marcher. C'est pourquoi certains stars de la musique, quand ils sortent une musique, ces gens-là, ils font déjà leur fan que la prochaine musique qui va venir, ou bien le prochain clip qui va venir, ça sera du sale. Ça sera de la magie. C'est de la, ça sera hors du commun. Vous voyez, là, souvent, ils parlent comme ça. Les gens se disent que, oh, ah, c'est que ça va être chaud. Hein. Mais en réalité, les choses sont là. Ce ne sera pas une chose qui va rendre gloire à Dieu. Ce sera une chose qui va venir pervertir nos valeurs. Oui, pousser les gens à faire des choses contre nature. C'est après cela, vous allez constater maintenant des bêtises dans notre société. Et vous n'aurez plus rien à dire. Parce que dès le départ, vous avez accepté cela. En likant des clips où ces gens-là exposaient tout et n'importe quoi. Pourquoi je n'ai pas fait, vous n'avez pas fait écouter le son? Parce que si vous écoutez le son, vous n'allez rien comprendre de tout ce que je suis en train de vous dire. Vous ne verrez rien parce que le son en bas là a tellement été bien fait que vous ne pouvez laisser votre subconscient laisse passer tout. Votre tête la remue comme ça. Moi-même, en faisant le montage, en faisant tout ça, j'écoutais le son et puis ça m'a tellement bien comme ça. À un moment donné, je commence même à t'accrocher au son, à t'accrocher à la musique parce que c'est de la bonne musique en guillemets. C'était fait d'une manière que ton esprit puisse être ouvert et que le gars puisse mettre dans ta tête peut-être de mauvaises choses. Et ça va agir en toi. Tu ne sauras même plus comment faire pour enlever ces mauvaises images dans ta tête. Et ce que je voudrais montrer, ce n'est rien. Il y a plein d'images terribles et sales encore dans le clip. Là où les filles adorent du toit, qu'elles montrent tout. Mais je ne peux pas vous montrer cela ici à cause de certaines personnes. Je ne voulais pas vous choquer. Mais juste vous avertir et vous dire que nous sommes vraiment en guerre. Même si cette guerre-là, on n'était pas partout, c'est une guerre spirituelle, une guerre psychologique. C'est ça, c'est même ça. Ouais, c'est même ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous demande de vous prochaine vidéo. Soyez prêts. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nuance Urbaine et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez aller sur une page web, vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc-notes où se trouvent nos informations bancaires. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Bonne soirée de vous. Names Reborn.